Ouais, Manu, ça a coupé. Je sais pas pourquoi j'avais plus du tout de personnes en direct sur mon live. Je sais pas, ça faisait 2 minutes. J'ai préféré couper et relancer le live. Donc, repartage sur DJI21. Et puis, je vais inviter Stéphane s'il peut. Karine, Jovida, Rossindi, salut Johan. Mais désolé à tout le monde, ça a coupé, ça a coupé. Il y a eu de l'action et pendant l'action, de chance, ça a coupé. J'avais plus personne sur mon live. Alors, si quelqu'un pense avoir une solution de pourquoi ça a coupé, j'avais plus personne sur mon live. Il y a 10 secondes, ça filmait, il y avait 400-500 personnes, d'un coup, pouf, plus personne. Et mon live buguait. Bah, c'est arrêté, donc je sais pas si quelqu'un sait d'où ça pourrait venir. Coucou Adeline. Adeline, la fan des forains, c'est... elle est toujours au premier rang. Bah là, elle est pas là aujourd'hui, mais je rigole. Salut Alexandra. Salut à tout le monde, salut aux Sartois et aux Sartoises, aux Manceaux et aux Mancelles. Nous reprenons le live. Si Alex, tu veux savoir où ça va bloquer ou autre, reste en direct. Il va y avoir une conférence de presse. Donc, dit conférence de presse, dit comme je fais partie de la presse. C'est bon, on va y aller. Partagez, partagez, partagez le live. On est en direct sur Direct21. Si vous voulez participer au live, posez des questions, pour poser soit par message, en commentaire, ou soit en live directement. Si, je sais pas, mettons, le petit Yohan veut passer en... Ça se passe bien pour le moment. Oui, Adeline, ça se passe super bien. Sophie, il y a eu un moment de tension. C'est dommage, j'étais pas là. Tu vois les camions qui sont là, Adeline. Ils étaient là. Et les petits bonhommes bleus là, ils étaient là. En fait, ils avaient mis tous leurs camions sur le tram. La C-Tram a dû gueuler un bon coup. Ils ont dit, on fait venir une dépanneuse. La dépanneuse était prête à embarquer tous les camions un par un. Et sur coup, les gendarmes mobiles sont arrivés, on tue les camions. Les forains, on ne touche pas à leurs camions. Donc, ils ont décidé de bouger leurs camions. Ils les ont mis sur la place qui est ici. Voilà pour la petite action. Un petit moment de show. Salut Sandra Sweet FM. Une conférence de presse va être donnée là dans peu de temps par rapport à ce qui vient de se passer. Demain, il y a blocage Alcetex. Je serai aussi en live parce que j'ai quelques infos et je pense que ça va donner. Sachant que d'après les infos qui ont été vérifiées, il y a déjà des gendarmes mobiles sur place. Ça se prépare, ça va prendre le micro. Après, c'est vrai que beaucoup de gens vont travailler. Oui, mais bon, Adeline, j'estime que voilà, ça fait une semaine qu'ils sont au courant, ça fait une semaine que les trams sont vidés au niveau de Bellevue, bah de Jacobin. Donc, ils savent très bien que voilà, il y a quelque chose. Ils savent. Je vais m'approcher parce que ça va. Mais ils sont là, nos amis les journalistes. J'arrive. Je me rapproche, je les ai. Partagez, partagez.
Si t'es là, Sandra, tu peux regarder ou tu peux me demander en direct et puis Donc une conférence de presse va être donnée. Donc elle est sur Direct 21, on a fait la route. Première action, si vous voulez nous rejoindre, ils vont bloquer, comme la CETRAM leur a cherché la merde, ils vont bloquer le dépôt de la CETRAM. Et ça va être annoncé là. On y va parce que là-bas il y a du lourd. Il y a CNews, il y a TF1. Alors, bonjour à tous. Mets-toi devant s'il te plaît. C'est toi le principal. Hein. Donc hier, je me suis mal exprimé, je m'en excuse. J'ai dit que j'allais mettre le feu et bloquer l'aéroport d'Angers. Chose que j'ai fait un courrier à l'Elysée. Je me suis mal exprimé, excusez-moi. Donc les 160, j'avais 170 forains qui m'attendaient là-bas pour bloquer l'aéroport. Ils arrivent, ils reviennent ici. Ok, comme ça, ce monsieur Macron, il ne faut pas le mettre sous pression, il n'y est pour rien là-dedans. Hein. Donc j'espère, mais par contre, je n'ai pas sa réponse, il va me recevoir, mais j'espère, quoi qu'il arrive, j'y vais. Hein. Donc les 170 forains qui sont à Angers ont repris la route et ils reviennent ici pour vous donner un coup de main parce que on va finir en slip. Donc, comme monsieur Le Foll fait tout pour calmer la situation, donc à partir de demain matin, dans la journée, monsieur le préfet va recevoir des préavis de manifestation jusqu'en 2020, avril 2020, hein, après ces élections. S'il repasse, on recontinuera. S'il repasse pas, on essaiera de négocier avec quelqu'un d'intelligent. Donc je vous annonce que demain officiellement, des préavis de manifestation vont être envoyés par écrit à monsieur le préfet. Nous allons manifester, pas manifester, mais neutraliser les 24 heures du Mans moto, les 24 heures du Mans voiture, le Grand Prix de France et les 24 heures du Mans camion. Premier point, mais c'est pas fini les amis, la liste elle est longue. Et comme dans cette ville du Mans, il n'y a que les forains qui n'ont pas le droit de travailler en centre-ville, je m'en excuse avant à toutes les personnes, parce que même ça va concerner des forains, mais malheureusement on n'a pas le choix. Donc puisque nous on n'a pas le droit de travailler, il n'y aura plus aucune manifestation au centre-ville les amis. Je vous le dis, il y a un moment que je le dis. Donc les marchés du mercredi, du vendredi, du dimanche, c'est fini. Le festival du cirque, c'est fini. Les concerts au Quinconce, c'est fini. Parade des pilotes au centre-ville, c'est fini. Marché de Noël, grande roue, patinoire, c'est fini. Et je ne connais pas la personne, la grande roue. Je lui fais une demande. Parce qu'il faut, je pense que c'est un forain, si c'est un vrai forain. S'il est solidaire avec nous, je lui demanderai que si on n'a pas trouvé de solution, de monter la grande roue au mois de décembre et de tourner gratuit
pour s'excuser auprès des Manceaux et des Mancelles. Mais s'il ne veut pas, comme je suis jaloux d'une personne, moi-même, je suis en train d'acheter une grande roue. Il faut que j'ai ma grande roue quand même, moi. Donc, j'ai dans les Landes, dans le sud-ouest, chez moi. Si ce monsieur ne veut pas, je m'engage à lui prêter mon emplacement gratuitement. Il va travailler pour lui. Et moi, je mettrai ma grande roue, si je l'achète rapidement. Ici, je tournerai gratuit pendant un mois, les amis. Pour s'excuser auprès des Manceaux et des Mancelles. Après, on a une... On a des actions pour la semaine prochaine aussi. On est encore là jusqu'au 7 avril, les amis, les copains. Donc, nous avons un rapport, c'est dans la presse aujourd'hui, sur les 18 communes, sur les 18 communes de la métropole, de la charte du Mans, hein. Il y en a 15 qui sont pour. Et il y en a 3 qui sont pour nous. Donc, à partir de la semaine prochaine, ou peut-être demain, et bien on a 15 nouveaux points de manifestation, les amis. Parce que si les 15 autres mairies, je pense qu'il y a des fêtes foraines, ça veut dire que dans ces 15 fêtes, dans ces 15 communes, il n'y aura plus de fêtes foraines. Donc pas demain, parce que demain j'ai une autre idée qui me plaît énormément, mais je vous la dirai demain. Il faut garder, les gars, on est jusqu'au 7. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense qu'il va falloir envoyer toutes les forces de l'ordre de la France entière, parce que nous avons 15, plus celui-là, nous avons 16 mairies assiégées. Enfin, assiégées, allez devant, manifester. Surtout, ne courez pas pour les bourrins café. Parce qu'après, les forces de l'ordre, ils nous courent après. Alors. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. C'est dans la boîte. Moi, les amis, alors, maintenant pour la manifestation d'ici. Nous allons diviser les camions en deux. Je voudrais des responsables à côté de moi, ici, là, en haut, là. Mais des responsables qui vont tenir tout le monde. Donc je voudrais Jerry, Bakouche, Jefferson, Adam, il va monter après lui, et il en faudrait non, Anthony, non, il veut bien Anthony, mon petit Anthony le routeux, qui connaît le Mans. Oui, nous sommes en direct du Mans, on a fait la route pour le Mans, et on va y rester jusqu'à ce que... Il n'y a pas l'Anthony ? Oui, oui, on... Bon, mais il y a Steve Fleury, ok ? Il y a Steve Fleury, vas-y, c'est pas grave. Donc les deux là, Steve Fleury, vas-y, monte avec moi, toi. Et Jefferson, vont être les responsables des deux. Des deux. Non, non. Des deux actions qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va diviser en deux les poids lourds. OK? Et nous allons bloquer le dépôt des trams et le dépôt des bus. Et évidemment, mes amis, la garde mobile m'a dit qu'on n'aura pas le droit. Donc, je vous demande à y aller. Je vous demande. Et pas de violence, tout le respect, parce qu'il attend que ça. Il attend que ça, mon ami, mon copain. Et donc on y va, les amis, vous siégez. Dès que les rats vous arrivent, vous repartez avec les camions. Opération escargot. Et vous allez vous balader. Hein. Vous voyez, on a fait une belle balade hier. Hein. Si on peut faire la même, hélicoptère, marcher, mais je pense que c'est moi qui vais avoir l'hélicoptère. À tout moment, ils vont m'attraper, ils vont mettre de trous. Et après, ainsi de suite. Donc on va pas au conflit avec vous, vous avez vu qu'ils sont avec nous quand même, hein. On va pas au conflit avec eux, vous bloquez devant, hop, ça va pas, ils arrivent, vous repartez, vous allez faire 10, 15, 20 km, hein, opération escargot, et vous revenez, voilà, hein. Et d'ici là, moi je pense qu'il faut faire un point à 14h, à 14h ça serait bien, vous faites un point pour manger, hein. Vous réunissez les deux convois, vous faites un point pour manger, stationné parfaitement, aucune entrave à la circulation, rien. Vous arrêtez, vous déjeunez. D'ici là, je vous appellerai. Hein, voilà. D'ici là, peut-être que M. Le Foll aura changé d'avis. On a bien espoir, mais bon, je pense que c'est mal parti. Donc, vous démarrez maintenant, moi je me casse. Je me casse, il faut que quelqu'un m'amène avec la voiture à Angers. Christophe va m'amener. Et vous lâchez à 14h. Ok, il y a 10h30, tant que vous démarrez, vous préparez les effectifs, hein, vous faites le plan d'attaque, le plan d'action. Comment dire, et à 14h, vous trouvez, on appellera, il y aura notre ami, et nous mon ami, le renseignement général. Il n'est pas là non plus, lui? Ah, t'es là? Donc les références, c'est eux. Donc le top, je le dis à toi pour faire, ben, ils nous écoutent, c'est de, on revient ici, et qu'on mange au QG.
on gare ici. On peut faire une pause d'une heure, une heure ou deux. 2 heures, ça c'est bien. Et à 16h, on repart. OK? Ça marche sur moi l'info? Vous avez compris? Oui, Damien, si vous voulez passer en direct. Que je vous explique, attendez, je vais mettre mon micro, ça va peut-être être mieux. Parce que je pense que vous devez peut-être mal m'entendre. Sinon, il est où l'abruti qui se prend pour le maire? Il est où? Si tu savais. Nous, on sait, mais ils veulent pas. Ils veulent pas aller au conflit de toute façon. Donc, ce qui s'est dit. Donc à tout le monde, hein, Gwen, Alex, Anto, Damien, Gwendo, Johan, Adeline, et tous les 542 personnes. Voilà, en gros, comme ils ont voulu saisir les camions, et bien ce qui se passe, c'est que maintenant, ils vont aller bloquer aujourd'hui le dépôt de la Cetram bus et le dépôt de tram qui se trouve à côté de Antares. Voilà, les gendarmes mobiles lui ont fait comprendre qu'ils ne les laisseront pas bloquer. Donc si les gendarmes mobiles se déplacent d'ici aux deux blocages qui vont avoir lieu au niveau des trams, du dépôt de tram et du dépôt de bus, ils partiront en opération escargot, ça veut dire rocade de changer, je pense, et rocade nord pour le deuxième convoi. Donc moi je vais les suivre. Vous aurez en direct, pendant que je serai en voiture, ça va couper, mais dès qu'ils seront arrivés, voilà, bim, je passe en direct. Je balance en direct, à vous de partager et de me suivre. Et ils partiront, les gendarmes mobiles arrivent, ils partiront en opération escargot. Ils veulent pas le conflit avec les CRS, les gendarmes mobiles, ils l'ont dit, il leur a même dit en face qu'ils ne voulaient pas de conflit, que s'ils arriveraient, ils arrivaient pour leur dire de les déloger, ils partiront d'eux-mêmes. Voilà, donc ils iront en opération escargot. Voilà ce qui va être fait aujourd'hui. Et retour ici pour 14h. Pour qu'ils fassent un bilan, savoir si le monsieur qui a parlé, Norman, sera reçu par Macron ou pas. Si pas reçu, ils repartent pour d'autres actions. Et à partir de la semaine prochaine, ils vont bloquer les 19 villes de Le Mans Métropole. Ils vont en bloquer 15, une par jour, une mairie par jour. Ils vont assiéger les mairies. Voilà, les camions, voilà. Un autre camion qui vient d'arriver. Et il y a les 132 fourrins qui étaient à Angers. Parce que voilà, il avait promis qu'ils assiégeraient l'aéroport. Il a fait marche arrière. Ils vont pas assiéger l'aéroport, ils vont revenir ici. Pour éviter de mettre vraiment la pression sur Macron, parce qu'il estime que Macron n'y est pour rien. Ah, par contre, Adeline, là, t'es mal pour demain. C'est pour te dire, ça dépend où, mais je pense que t'es mal parti là. Parce que soyez demain, je vais pas direct parce que voilà, j'ai des trucs personnels à faire et que j'ai promis à ma femme et puis à ma soeur de passer un petit moment avec eux quand ça fait une bonne semaine, ça fait faire une semaine que voilà, je passe beaucoup de temps ici, voilà, pour direct 21. Voilà, donc maintenant voilà, c'est demain, c'est une nouvelle action, il a dit qu'elle n'a jamais été faite. Donc maintenant, vous pouvez annoncer pas de marché, plus de marché le mercredi, plus de marché le vendredi, plus de marché le dimanche matin au Mans, dans tout le Mans. Ça va aller de Le Mans, de Halonne à Coulaines, il n'y aura plus de marché. Voilà, les marchés sont finis. Plus de marché, ils prévoyaient 24 heures du livre. Avec patinoire, c'est fini, il n'y en aura pas. Ils ont prévu, il devait y avoir la grande roue, il n'y aura pas de grande roue. Toutes les manifestations qui se passeront au Mans, il n'y en aura plus. Cross West France, il n'y en aura plus. Cross Le Manning, il n'y en aura plus. Plein de petits trucs comme ça. Il n'y aura plus de manifestations au Mans sur toute l'agglomération Mansel. Il n'y aura plus du tout. Voilà, c'est l'annonce qui a été faite. Plus de manifestation, n'importe laquelle. Vous voulez faire un marché, et ben allez hors dehors du Mans, allez hors dehors de l'agglomération Mansel.
hors de Le Mans Métropole. Et là, vous aurez des marchés. Family Village. D'accord. Ah bah là, je peux pas te promettre par contre. Hein. Donc Dalila Domino, ce serait bien d'accepter. Et demain, ils ont promis une action. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un du Direct 21 demain, mais je suis le seul sur le monde, je pense, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre le relais et m'envoyer les vidéos, le live. Et puis moi, je ferai en sorte de partager le live sur Direct 21. Mais voilà, c'est vraiment, voilà, c'est aujourd'hui. Demain, c'est une action nouvelle qui sera faite, qui n'a jamais été faite, autant par les Gilets jaunes que par eux. Ça n'aura jamais été fait. Attendez-vous demain un très très gros blocage, c'est ce qu'a pu me dire normal. Bon bah Dalila, hein, t'acceptes pas, moi hop, je vais pas attendre, il y a des gens qui demandent. C'est bien les gens, vous demandez de passer en live, mais acceptez quoi, moi ça me fait perdre du temps. Perdre l'autre personne qui voulait passer en live, vas-y fais-moi la demande et j'accepte. Christophe, salut Christophe. Je pense que tant que moi je rejoigne la voiture, je pense que je vais aller au dépôt. Christophe, non, lui, toi, refusé. Salut Christophe Guadadas. 328 personnes, c'est bien. J'ai atteint un pic de 600 tout à l'heure lors de la conférence de presse. Alors Christophe, t'as pas entendu la conférence de presse. Donc je vais te résumer, Christophe. Tu me fais un pouce si tu m'entends bien et si t'arrives à suivre. Donc voilà, je reprends tout ce qui a été dit lors de la conférence de presse. Puisque Monsieur Le Foll, maire du Mans, ne veut pas de manifestation de forains, ne veut pas interdire la fête foraine. Voilà ce qui a été dit, je répète. Alors, ils vont bloquer les 24 heures moto. Ils vont bloquer les 24 heures, le Grand Prix de France moto. Ils vont bloquer les 24 heures du Mans moto. Ils vont bloquer les 24 heures camion. Ils interdisent à tout. Ils interdiront les marchés de s'installer, ça veut dire le marché du mercredi est annulé, le marché du vendredi annulé, le marché du dimanche matin annulé. Ils vont bloquer la parade des pilotes, donc pas de parade des pilotes, pas de pesage pour les 24 heures. 24 heures du livre, ils bloqueront les 24 heures du livre. Tous les cross qui pouvaient se passer, les manifestations, voilà, cross Ouest France, je crois qu'il y avait un cross aussi dans le centre-ville, ce sera annulé. Ils bloqueront aussi, la grande roue. Il y avait une grande roue qui devait s'installer, il n'y aura plus de grande roue. Le marché de Noël n'aura pas lieu, ils bloqueront aussi le marché de Noël. En fait, vraiment, toutes les manifestations au Mans seront annulées, bloquées. Ils feront tout pour annuler toutes les manifestations. Et à partir de demain, aujourd'hui, ils envoient les préavis de manifestation jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, il n'y aura plus de manifestations au Mans tant qu'ils n'auront pas accepté les forains en centre-ville. Ça veut dire tout, même un spectacle qui aura lieu, les spectacles auront lieu au théâtre, ils annuleront. Ils bloqueront l'entrée du théâtre, personne ne pourra rentrer, les artistes ne pourront pas rentrer. Ils bloqueront les pilotes, les camions des pilotes, ils bloqueront les voitures, je vous préviens, ils vont tout bloquer, ils sont déterminés. Donc voilà, aujourd'hui, ils bloquent là cette rame. Si les gendarmes mobiles, donc là, ils se divisent en deux convois. Un premier convoi va bloquer le dépôt de cette rame bus. Un deuxième convoi va bloquer le dépôt, c'est tram. Et les gendarmes mobiles leur ont fait comprendre qu'ils ne les laisseront pas faire. Donc comme ils ne vont pas les laisser faire, ils leur ont dit, leur chef leur a été les voir, leur a dit on n'ira pas à la confrontation avec vous, vous arriverez, on partira. Et il a donné ordre aux deux convois de s'ils doivent partir. Ils partent en opération escargot sur le tour du Mans, où ils veulent, ils bloquent, ils s'arrêtent, ils redémarrent, ils s'arrêtent, ils redémarrent, ils font ce qu'ils veulent, ils ont carte blanche.
Et après, ils se rejoignent ici pour 14h pour manger. Donc voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Et puis demain, une action nouvelle qui n'a jamais été vue et faite en Sarthe sera faite. Ils ne disent pas, ils veulent garder la surprise parce que ça sera une surprise. Moi, je ne serai pas là demain en direct parce que voilà. Je reprendrai sûrement lundi parce que lundi, il va y avoir de nouvelles actions. Voilà. Voilà. Donc si Christophe, tu as d'autres questions, tu peux m'en poser. Il n'y a pas de souci. Marie-Christine, je t'appelle. Désolé, j'étais en train d'expliquer, j'ai pas vu que voilà. Donc si quelqu'un n'a pas entendu le récapitulatif de la conférence de presse, dites-le moi et je le répète ou passez en MP. Ou voilà, c'est on va suivre. Là, toute la journée, dernière journée, après moi je prends un petit peu de repos et je repars pour lundi. Donc, ouais, mais les gens vous me demandez et vous acceptez pas donc